un mélange entre un drapeau suisse et un drapeau de croix allemande. Voilà, je ne sais pas ce que c'est exactement. Canada. Ok. Ouais, c'est la Suisse. C'est la Croix-Rouge. Ok. Non, mais c'est pas ça, c'est pas la Suisse, ça. C'est un truc de Templiers. Je sais pas, on dirait que c'est la conquête des Templiers sur Jérusalem. Première chose, Suisse. Deuxième chose, Géorgie. Okay. C'est les drapeaux de la Géorgie, représenté par les croix de Saint-Georges. Il a été adopté en 2004 suite à la révolution de Russie. Ça, ce sont des vapeurs de cuisine asiatique japonaise, peut-être plus particulièrement. À plein de pays, ça. Ouais. Ça me fait penser au Liban, la Turquie, la Syrie. Voilà. On dirait des raviolis chinois. Moi, ça m'évoque des têtes d'ail, mais c'est pas des têtes d'ail, c'est des pâtes et j'ai envie de manger. Il manque une petite sauce quand même. C'est un plat traditionnel de Géorgie, ça s'appelle khinkali. Et c'est une sorte de ravioli furé avec la viande de bœuf et du porc et avec des épices. Je sais pas, peut-être une écriture. Sur arabe ou je sais pas du tout. Ouais, moi je penserais Jérusalem, je sais pas pourquoi, mais ouais, j'irai là-dedans. Ouais, c'est une écriture que je connais pas, que je ne sais pas lire. Maintenant, je pourrais te dire trois écritures: sanskrit, cyrillique et cyrillique, c'est géorgien aussi, je crois. Donc ça doit être un truc comme ça. Mais je pense que c'est comme ça. Ouais. Puis okay. En plus le vert bleu là, non c'est plus européen. C'est signe de l'alphabet géorgien. S'appelle Asantavruli, c'est l'alphabet qu'on utilise quotidiennement en Géorgie et c'est un des plus anciens du monde. Ça tue, c'est magnifique. Après, je peux pas te dire où c'est, ça pourrait être les Alpes, ça pourrait être le Caucase. Je peux pas te dire. C'est beau, ouais. J'aimerais y être. D'accord. Mais. Je sais pas où ça se trouve, mais très belle partie du monde, c'est magnifique. Ah, il y a le feu là. Il y a le feu en bas. Ouais, c'est chouette ça. Enfin, j'irai pas parce que c'est. Faut marcher à pied, mon truc. Ça me brancherait pas. T'as une idée d'où ça peut être? Absolument pas, non. Ok. C'est une photo de la ville de Mestia qui est dans la région de Svaneti et qui se trouve juste au pied de la chaîne du Caucase. Aucune idée, mais j'aimerais bien y aller cet été. Ouais. Mais je peux pas te dire. La photo est super réussie, le ciel explose, il y a... Non, mais le cadre, il est super bien posé, elle est magnifique, cette photo. Ouais, ça me donne envie d'aller, c'est un mélange un peu, on dirait, de... Je dirais dans les immeubles, un peu l'Italie, ça me fait penser un peu au quartier italien, mais ce qu'il y a devant, là, ça me perturbe. Donc, ouais, c'est très joli. Ouais. Ça, ouais, là je veux bien y aller. Alors qu'il faut y aller à pied aussi, mais là je veux bien y aller, ça me parle mieux. Quoi. Ouais. Il y a certainement autant de montagnes, mais il y a quand même plus de couleurs et plus de chaleur, surtout où il n'y a pas de neige. Voilà. Ok. T'as une idée où ça peut être? La Crète, la Grèce. Ceci est une photo de Tbilissi, de la capitale de la Géorgie. Sur la première plane, on aperçoit le banc Terban de Abanotubani et la deuxième plan c'est la forteresse de Narerala. Sazeyare toareum zeo abzandi dabzandi.